Bonjour à tous. Vous verrez mon discours de samedi dernier dans cette vidéo. Pendant que nous parlions, nous surplombions une énorme banderole McKinsey remboursée. Et samedi prochain, 2 avril, nous aurons une banderole encore plus imposante. Première manifestation de France sur le scandale McKinsey que nous avons imposé dans l'actualité dans cette campagne présidentielle qui bouscule complètement, panique, la Macronie. Il faut y ajouter maintenant le scandale du patrimoine de Macron qui a ressurgi. Je vous ai fait une vidéo sur cette chaîne récemment si vous ne l'avez pas vue. Bref, dans ce discours, je parle de tout cela, ces conflits d'intérêts qui sont au cœur du covidisme. Cette remise en cause gravissime de notre état de droit, de nos libertés. Oh, rien. Rien n'est totalement, définitivement réglé. Vous le savez. Cette semaine, ils annoncent la quatrième dose pour les plus de 60 ans. Ils veulent même la mettre dans toute l'Union européenne. On parle du retour du masque obligatoire. Les écoles qu'ils mettent en place, on se bat là-dessus. Et notamment, j'ai évoqué le problème du masque qui revient dans des entreprises à cause de règlements intérieurs qu'il faut combattre. Bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le combat pour la liberté, la vérité, la paix, la souveraineté, il est devant nous. Et on le mène. Et on ne le lâchera pas. Et c'est pour cela que je vous attends samedi 2 avril, rendez-vous 16h pour un grand rassemblement populaire Place Pierre-Laroque à Paris, où il y aura Nicolas Dupont-Aignan présent, on aura une intervention de Maître Divisio, tant de monde. Il faut venir avec nos drapeaux français par milliers, venir, faire venir à 8 jours du premier tour. On peut faire éclater la vérité. On peut être extrêmement entendu. On peut mettre une pression incroyable à 8 jours du premier tour. Il faut être particulièrement nombreux. Faites venir des gens qui n'ont pas encore manifesté. Et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est fait, c'est gratuit. On n'en parle plus. Plus vous êtes abonné, plus il y a de visibilité pour toutes ces vidéos qui circuleront encore plus vite. C'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube, vous le savez. Donc merci d'avance. Venez aux Patriotes. Carte orange de résistance, carte orange anti-oligarchique, elle est là, elle est pour vous. Moi, j'ai besoin de vous. On n'arrive pas à se battre quand on est seul. On n'arrive pas à se battre face à cette oligarchie. Et nous, on fait face. Hein. Et Dieu sait qu'on fait face et qu'on le fait concrètement depuis des mois et des mois et qu'on va continuer. Mais j'ai besoin de vous pour le faire. J'ai besoin qu'on soit encore plus nombreux. Donc, je vous demande d'adhérer ou de reprendre votre adhésion annuelle. C'est le même lien, il est sous la vidéo en description. Il est en premier commentaire épinglé. Il est également là ou là en cliquant directement sur l'écran. N'attendez plus, n'hésitez plus. Je sais qu'il y a des gens qui se disent « je le ferai peut-être demain ou dans une semaine ». Non, maintenant. Il faut se battre maintenant pour notre pays, pour les générations qui viennent, pour nos valeurs les plus chères. Vous pouvez également nous aider en faisant un don de soutien aux Patriotes. C'est un autre lien qui est sous la vidéo en description. Et le don aux Patriotes, c'est vital pour faire tout ce qu'on fait, ces manifestations et tout le reste qui coûte si cher alors qu'on n'a pas un centime de financement public, vous le savez. Alors, adhésion, don, bah oui, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Pensez-y, ça peut déterminer une décision, une prise de décision. Bravo en tout cas aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Bon discours, vive la France. Liberté, liberté. Merci à vous, merci beaucoup. Et bravo d'être là. Bravo d'être là en particulier parce que maintenant on a de la concurrence. Il y a les meetings de Macron. Non mais comme il n'y a pas grand monde dans leurs meetings, ils ont lancé un jeu. Ce que je vous dis est véridique. Hein. Si vous ramenez 10 personnes, vous avez le droit, je crois, à un autocollant. Et si vous ramenez 30 personnes, vous avez le droit, je cite, à un temps d'échange avec un ministre. Alors moi, je vous le dis, jamais je ne vous promettrai un temps d'échange avec Olivier Véran. Ni Gérald Darmanin, ni Marlène Schiappa. On va s'en passer. Il y a pile une semaine, je vous disais ici combien il était important de forcer le débat sur le scandale McKinsey qu'on a mis ici, que vient de dégoupiller une commission d'enquête au Sénat. Eh bien, nous l'avons
fait. Le scandale a explosé. Ce scandale McKinsey, qui est en fait un scandale Macron, a d'abord grossi grâce à vous sur les réseaux sociaux. Avant d'envahir les médias et de percuter la campagne présidentielle, il était drôle de voir les candidats depuis 48 heures, les uns après les autres, qui ne voulaient pas en parler, être obligés de commencer à en parler. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Ne le sifflez pas, vous allez peut-être gagner un temps d'échange avec lui. Gabriel Attal a dû s'expliquer et il a dit « Non, ça n'est pas un scandale d'État. » Donc, nous sommes sûrs que c'est un scandale d'État. Macron, lui, a été interrogé aussi pour la première fois cette semaine. Alors, il a fait semblant de découvrir que McKinsey ne payait pas un centime d'impôt en France depuis au moins 10 ans. La profondeur de ce scandale apparaît chaque jour davantage. Collusion, copinage, corruption, conflit d'intérêts. Imaginez, vous travaillez pour l'État, au hasard pour M. Véran, le ministère de la Santé, et en même temps, vous travaillez pour Pfizer. Et vous dites au ministère de la Santé, il faudrait mettre en place un pass sanitaire et même un pass vaccinal. Et vous avez alors compris dans quelle affaire nous étions embarqués depuis plus de 2 ans maintenant. Vous voyez le puzzle se former sous vos yeux. Il prend forme. Et vous voyez à quel point nous avions raison de dire depuis le premier jour que cette affaire n'avait rien de sanitaire, qu'elle était intégralement financière et politique. Le scandale est même plus profond que ça. Avant même de coloniser l'État macroniste, McKinsey avait colonisé la campagne électorale du candidat Macron en 2016 et en 2017. Ça a été révélé. Ce que je vous dis là a été écrit de manière sûre. Il y avait 20 salariés du cabinet McKinsey dans la campagne électorale de Macron en 2016 et en 2017. McKinsey est à l'origine même de la création de la République en marche. La Macronie n'est que la créature de cette oligarchie mondialiste. Elle n'est rien d'autre. Et donc, en bonne créature, elle applique la politique de son créateur. McKinsey fut le berceau de la Macronie. L'affaire McKinsey doit être son cercueil. D'ailleurs, hier même, une étape essentielle a été franchie. Le Sénat a saisi officiellement la justice dans cette affaire. Mais cette affaire percute aussi l'Union européenne. Car sachez, ça ne vous est pas beaucoup dit dans les médias français, que depuis 2020, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est en Allemagne sous le coup d'une enquête, exactement pour la même raison, y compris une enquête judiciaire, parce que quand elle était ministre allemande de la Défense, elle avait recours de manière exorbitante à ses cabinets anglo-saxons, notamment McKinsey. Aujourd'hui, la présidente de la Commission est sous enquête dans l'affaire des consultants. L'Union européenne est faite du même bois oligarchique que la Macronie. Elle périra avec elle, ce qui nous permettra de retrouver notre liberté, notre souveraineté de peuple de France. Parce que nous en sortirons en faisant le Frexit.
Brexit. 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 Nous sommes ici au cœur de l'affaire, mais nous n'avons pas fini, chers amis, de nous battre contre ses conséquences. Cette semaine, sur M6, Macron a menacé de remettre le masque obligatoire. Y compris pour les enfants à l'école. Ce n'est pas une option envisageable une seule seconde. Il faut au contraire se battre pour retirer ce bâillon, cette muselière qui reste encore aujourd'hui, notamment dans les transports collectifs. Il faut soutenir les salariés qui sont dans des entreprises où un règlement intérieur a remis le masque obligatoire. Comme l'ADE se bat admirablement pour les enfants à la sortie des écoles, des collèges, des lycées, où elle sensibilise les parents et les enseignants, nous devons imaginer une structure pour défendre les salariés qui retrouvent le masque obligatoire dans leurs entreprises à cause de règlements intérieurs iniques, mais malheureusement légaux. Et parce que leurs syndicats ne font rien. Nous avertissons aussi solennellement. Sachez que le masque obligatoire ne peut pas être imposé à vos enfants dans les écoles, les collèges, les lycées, y compris quand les chefs d'établissement le décident. Je vous dis ça parce que je vois fleurir des articles de presse de plus en plus nombreux qui disent « telle école, tel collège, tel lycée a remis le masque obligatoire ». Ça n'est pas légal. Les parents peuvent et doivent refuser. Au sujet d'ailleurs des enfants et des jeunes, nous savons que les tentatives de suicide et les suicides ont malheureusement explosé en France. Et je le dis aussi, tout aussi solennellement, contrairement à ce que disent certaines vedettes à la télévision, non, cette affaire des suicides d'enfants et de jeunes en France n'est pas un problème de riches. C'est un problème dramatique. Et Maître Divisio a eu raison de pointer du doigt cette affaire et le scandale moral de ne pas prendre à bras le corps ces tentatives de suicide chez nos gamins. Ceux qui sont responsables et coupables de cette situation en ayant pris depuis 2 ans des mesures iniques devront être poursuivis par la justice des tribunaux, mais aussi par la justice du peuple. On ne prendra jamais soin des gens avec les PowerPoints de McKinsey, comme nous ne ferons pas la paix avec 100 000 soldats américains déployés en Europe et tous les missiles de l'OTAN qui, depuis 30 ans, bombardent le monde. Ça n'est pas comme cela que l'on prendra soin des gens et des peuples. Ce système oligarchique doit tomber et va tomber. Et quand il tombera, c'est la France libre qui, elle, se relèvera. C'est la France éternelle qui reprendra son chemin. C'est la force des peuples libres qui s'imposera. C'est un avenir de nouveau possible, de nouveau humain, de nouveau vivable, de nouveau heureux, joyeux, juste, qui s'offrira à nous et aux générations qui viennent. On ne se bat pas pour autre chose que ça, et nous allons l'obtenir. À nous de le vouloir, à nous de nous battre. Remarquez, nous remportons des succès. Olivier Véran a reconnu, je ne sais même pas s'il s'en est rendu compte, mais il a reconnu cette semaine que tout le cinéma qu'il avait mis en place, cinéma criminel,
passe vaccinal, masque obligatoire, etc., ne servait strictement à rien, puisqu'il a dit « Ah mais regardez, en Allemagne, en Italie, ils ont toujours le passe, ils ont toujours les masques, et pourtant ils ont le même rebond épidémique que nous. » Bah oui, monsieur Véran, ça veut dire que ça sert à rien. Ça veut dire que ce que vous faites depuis 2 ans, c'est une escroquerie. Ça veut dire que vous avez trompé les gens. Ça veut dire que vous allez le payer et que vous le paierez très cher. Oui, vous avez raison. Nous passerons, monsieur Véran, de la santé à la santé. À nous de nous battre chaque jour pour que les personnels suspendus ne soient pas oubliés. Soignants, pompiers, militaires, gendarmes, médecins, personnels administratifs dans les hôpitaux et tant d'autres. Nous nous battons, et ils le savent, pour qu'ils sortent de l'invisibilité. Formidables infirmières, ne restez pas chez vous, des malades vous attendent. Médecins, ne restez pas chez vous, vos patients vous attendent. Pompiers, ne restez pas chez vous, vous avez des vies à sauver. Nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous soyez réintégrés, que vous receviez les excuses du gouvernement et que vous soyez indemnisés. Nous saurons que nous aurons gagné quand tout ce système de coercition aura disparu. Du passe au masque, quand tous les personnels auront repris le chemin du travail. Quand les influences malfaisantes seront mises à terre, quand justice sera faite, alors nous saurons que nous aurons gagné. Quand la liberté, quand la vérité, quand l'égalité, quand la fraternité, quand la souveraineté du peuple de France auront triomphé, alors nous saurons que nous aurons gagné. Alors courage, l'affaire McKinsey est une bataille gagnée. C'est le signe qu'ils vont perdre la guerre qu'ils nous ont déclarée. Et nous irons ensemble vers la victoire et notre libération. Vive la liberté! Vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Liberté! 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 Liberté. Liberté.